Eh bien, bon tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Angel Kane, on se retrouve sur Maximo Génération PS2, épisode je sais plus combien, je sais pas, il y a encore le petit squelette là. Je vous invite à aller voir l'épisode précédent si vous ne l'avez pas vu. J'ai assez juré quand même, j'ai assez juré, je suis fier de moi. Lui, on va le laisser tranquille, je suis toujours en caleçon. Ah, il y a de la vie, mais on s'en fout. Hop, il y a un petit truc de... on s'en fout. On va se barrer vers le... vers par là. Hein. On va récupérer un petit cœur qui nous coûtera, à mon avis, 50 coins, enfin, 50 pièces. Je sais pas pourquoi je dis coin. Je crois que c'est à cause de le petit Black Ops. Tranquillou, alors je crois qu'il y a un ennemi là, mais on s'en fout, on le dépasse. On est des fous là, on est des fous. A priori, on devrait pas mourir ici. Lui, il m'a déjà tué une fois, on s'en rappelle bien. Voilà. Et hop. Et j'ai... oh, c'est nickel. Ça pouvait pas se mieux... ah, 150. Ah, merde. Ah, du coup, j'ai plus 100 pièces d'or pour sauvegarder au cas où. C'est pas grave, on est des fous. On court, on saute, on vole. On chante. Enfin, vous chantez derrière votre écran, parce que moi j'ai la flemme. Et c'est parti pour le niveau esprit, les esprits écrasent. Alors j'avais peur qu'on m'attaque par derrière, mais c'est bon, ça s'est bien passé. Alors, j'ai peur que ce soit pas de l'HD là, ça floute. Non, c'est de l'HD la caméra, ok. Alors derrière, il y a quelque chose. Bien évidemment, il y a un ennemi. Voilà, vous pouvez pas s'attendre à pire. Oh, les PD! Putain, il m'a enlevé la moitié de ma life de barre. Moitié de barre de chocolat, quoi. D'ailleurs, on peut observer, je suis ton père. Je suis ton beurre. Voilà. Petit troll. J'avais zappé. Ouais, je suis comme ça. Alors, il y a un petit cœur derrière. J'imagine. Il n'y a absolument rien du tout. La petite musique entraînante là. Il y a l'air de pas avoir trop de plateformes. Alors c'est nickel. On se regarde en face. On le déglingue. Lui c'est un coup il me semble. Un short vert c'est des noobs. J'ai entendu un... je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un... je dis souvent c'est un cochon mais c'est pas un cochon. Enfin, ah si c'est un cochon. Si, c'est un cochon. Bah, je te one shot, petit con. Ça a l'air d'être un spawner là, non? Non, non, arrêtez de spawner. Hein. Ouf! Et t'as un fouf, toi! Et un petit truc de soin, merci. Tout se passe à merveille pour moi en ce début d'épisode. On va récupérer à mort les lucioles. Bon, bah, là, je les ai pas vraiment récupérés, mais c'est pas grave. Je vais laisser un peu le son pour éviter de flipper. Dès qu'il m'arrive quelque chose de bizarre. Alors, on récupère ça. Il n'y a absolument rien du tout. Ouh, il y a encore de l'abîme, on s'en fout. C'est dommage, hein, quand même. Mais voilà. D'habitude, j'en ai toujours besoin. Et là, vu que je suis un peu devenu PGM. Voilà, l'expérience sur ce jeu, c'est de l'expérience, quoi. On va... Bitches. Ah, merde! Je croyais que je l'avais one-shot, mais non. On va récupérer la vie, du coup. Voilà, vaut mieux que tu serves à quelque chose, toi. Donc, je voulais me mettre dans ce sens-là, à la base. Pour ça, je n'avais pas sauté. Il y a un atout extrêmement bizarre derrière moi. Je vais le prendre, ne vous inquiétez pas. Je vais juste faire un petit récupératif des atouts que j'ai. Alors, les 3 baisers des sorcières, des 3 boss, le pirate, le fossoyeur et je sais plus qui.
Alors, ça c'est pour attaquer deux fois sur carré, mais je m'en sers quasiment jamais parce que j'attaque jamais avec carré souvent. Enfin, c'est bizarre. Ça c'est le coup spécial. Voilà. Cette attaque frontale, ouais. L'écrou magique, quand je fais deux fois triangle, ça lance un écrou magique. Ça, je sais pas ce que c'est de la merde. Nécessite l'armure maximale. Je l'ai pas encore l'armure maximale, ça doit être pour ça. Ceci augmente la taille de l'onde de choc créée par un coup vers le bas, ouais. Votre barre d'armure est magiquement augmentée et peut contenir un maximum de 4. Yeah. Un bouclier dirigé par l'idole de l'ouragan utilise le pouvoir du vent. Ok. C'est bon, ils nous font chier alors que. En fait, t'as juste à faire ça et ça gèle l'ennemi qui t'attaque. Alors, je vais pas sauter par là. Je vais sauter par là, c'est plus safe. Un petit diamant. Allez, on est des fous. Plus, je crois que c'était pas vraiment le vrai chemin. Passer par là. Là c'est plus plausible. Il y a quelque chose là. Ah ouais. Bitches. Faut que je montre un peu, je suis boss. Il est pas mort? S'il est mort. Ça va, ça va gâcher le truc sur mon épée. Ok. Alors on m'avait expliqué la technique. Seulement. On va y aller tranquillement. La technique, c'est se baisser. On se barre, on se barre. Oh voilà. Et là, j'ai quoi? J'ai 6, 7, 8, 9, 10 pour S. J'ai trop plein d'atouts. Je sais pas si je vais pouvoir prendre le dernier atout, du coup. Je vais quand même essayer. Parce que je l'avais zappé complètement. Du coup, tout à l'heure, j'ai vu le chemin, mais j'ai l'impression qu'on pouvait pas y accéder. Ah, il y avait un ennemi. Ah merde, j'avais déjà cet atout. Je te one shot. Parce que t'es ma pute. Ça, c'est quoi? Merde, c'était de la vie pure. Parce que des fois, ils sont verts et des fois, ils sont... C'est chelou. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? En fait, y a rien. Le vrai chemin, c'est par là, en fait. Ok. Alors j'ai rien vu, j'ai absolument rien vu, enfin j'ai pas vu qu'on pouvait accéder à quelque chose, peut-être à droite. Ok. Y'a quelqu'un là? Y'a quelqu'un en face de moi là. Ok, personne. Enfin il y avait personne me semblait. Non, il y avait personne. Un petit checkpoint, ça fait du bien. Je suis pas encore mort une seule fois. Fierté, sûrement. J'ai l'impression que c'est un piège à con là. Ouf. Ok. Ok, ok, ok. Je les avais bien gérés sinon, mais. La flemme de tout gérer. Hein. Je suis fort, je suis trop fort. Alors, moi j'ai quoi? J'ai 4 vies, 147 pièces d'or, 145 pièces d'or, 45 lucioles, 2 pièces de la mort et 3 clés. Trois clés précieuses. Oh putain, non. Ouh. On va regarder un petit coup ce qu'il y a là. Fuck you. On est bien là. Ouf. Eh, hey, calme-toi, petit dragon. Merde, je suis une merde. Faut que je récupère de la life. J'ai bientôt une autre pièce de la mort. Ça me fait plaisir. Je vais éviter de mourir parce que j'ai l'impression que je peux mourir facilement. Non. Ouf. Je sais pas comment j'ai fait pour le repousser. En tout cas, je l'ai fait. Jeez. Putain, t'as perdu ton diamant, t'as fait chier, t'es un gamin toi. Allez, une autre pièce de la mort. J'en ai deux, trois, il me semble. Ouais, trois. Deux têtes. Allez, bitches. On prend notre temps, les amis. Hein.
Ah, putain, je me remets bien là. Le tiroir n'est plus cassé, mais il me semble que vous le savez pas, parce que j'ai supprimé plein d'épisodes de dépit entre amis sans faire exprès comme un con. J'avais tourné à Duran, mais bon, j'essaierai de retourner ça la prochaine fois. On se barre. Oh! T'es qu'une merde, petit cochon, va. Observe. J'ai vu un truc à droite pourtant. Non. Ok. Si, il y a un truc à droite. Ouf! Putain, je suis con. Ça se trouve, c'est le vrai chemin là, je suis pas con. J'ai flippé! On est des fous! Tranquille! Bitches! Chargement d'épée. M'en tape. Voilà! Il est là, mon chargement d'épée. Ah! Je te jure. Sérieux, ça sert à quoi? Je vais pas prendre des risques juste pour ça. Mais sérieux? Ouais, je peux pas. Ah, le vrai chemin, il est là-bas. Je vais voir si je peux sauter directement sur le vrai chemin. Ah, ce serait pas mal. J'ai l'impression qu'on peut en plus. On est des fous, les gars. On est des fous. Non! Non! Pute! Pute! Merde! Je suis con. J'avais tous les atouts, j'étais nickelement bien et j'ai trop confiance en moi. Ta mère. T'as un problème? Allez. Venez là, je vous défonce un peu. Ah, c'était pour me donner des objectifs parce que là, je m'emmerdais, j'avais tous les atouts. Tout ça. Ça me saoulait à force. À force d'être un PGM, c'est bon quoi. Ah, ça m'aide. Oh! Cassez-vous pas! Ah, merde. Oh, enculé! Ah, j'ai perdu tous mes atouts du coup. Alors, je perds une petite épée, ça améliore la puissance de mon attaque, il me semble. Je suis qu'une merde. Ah. Bon, ça m'apprendra à être con. J'ai envie de dire. Toi, t'es là. Ok, t'es con! Toi aussi. Moi je m'en fous, je me barre. Tu te casses. T'es ma pute. Toi tu défonces. C'est tous des merdes. Ok, quand il est en mode. Oh putain! C'est quoi cette vie? Je veux de la vie là, je veux de la vie. Putain, il y a de la vie dedans. Il y a de la vie. La vie. Et où l'armure? Hier, bon, c'est bon. La vache! Ça plaisante pas! Concentration perturbée, mais bien. Ok, alors c'était tout simple en plus, c'était con! Allez, je me barre. Je vais détruire ça. Puis je reviens chercher ma récompense. Voilà, quelques petites pièces. Alors, je réfléchis. Est-ce que je prends le risque ou pas? Ouf, j'ai cru que j'allais oublier. Putain, on est des fous, on est des fous. En plus, il y a ça, là. Casse-toi et donne-moi l'épée des ténèbres. J'ai entendu un fantôme. Fantôme. Si j'ai dit que fantôme, je suis désolé, c'est le stress. Ouf. On est chaud, les amis, on est chaud. A priori, le niveau il est bientôt fini. C'est quoi que j'avais laissé en haut? C'est un chargement d'épée. Ouais. Je laisse appuyer sur L1 pour viser la caméra. C'est le tri-kill. Allez.
Donc je m'inquiète un peu pour la zone de fin parce que j'ai pas beaucoup de vie. Et l'autre zone de fin, celle que j'ai fait en dernier, était extrêmement... Enfin, c'était assez compliqué, hein. Fallait optimiser son combat. J'espère avoir un peu de vie. Sérieux, lui? On se barre! J'ai assez hésité, là, je vous avoue. Mais bon, on gère. Il y a un checkpoint, c'est déjà ça. Ok, je suis une merde. Je te one shot quand même. J'ai rien vu. Enfin, je m'en vais alors que... Enfin, je saute alors que je vois pas s'il y a des ennemis approximativement à côté. Donc je vous évonce. Hop, quelques petites lucioles d'amour. Putain, enflure. Enfin, je fais ça alors que, ouais, je me doute qu'il y aura ça, quoi. Y'a un truc là sur la petite passerelle. C'est de là d'où je viens, je crois. Ou pas. Là où est-ce que je dois aller? Je sais pas. Je crois que c'est. Faut que j'aille la passerelle. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Ah, ça, ok. Ok, c'est bon. Ok. Je me replace un petit coup, bien centré, voilà. Yeah, pas d'ennemis. C'est ça, c'est bon. J'ai, je crois, environ 200 pièces d'or. J'allais dire 300, merde. J'ai pas 300 pièces d'or. Ah, va te faire enculer. Je sais plus ce que ça m'avait donné la dernière fois, mais c'était vraiment de la merde. On est des fous. Et merde. Dégage. Ah. Putain, là, je serais d'avis de tenter quand même le truc mystère pour avoir de la vie. Mais je suis sûr, il y en aura pas loin. Et j'ai un checkpoint à côté. Allez. On est des fous. Il y a un cœur à gauche. Et à mon avis, c'est très risqué de le choper. Non, ça va. Quoi? Je m'étais baissé! Putain, je récupère un cœur pour mourir, quoi. Logique, zéro, quoi. Putain. Ah, je suis qu'une merde. Je suis déçu quand même là, je suis désolé, mais le jeu qui bug, bon, c'est pas grave, j'ai ça. C'est plus important que n'importe quel autre atout. Ça y est, je suis content. Un petit coffre. Non, même pas. Ah, ils se font plus chier. Putain, je suis un con. Je suis un fou. Il me reste quoi, 3 coeurs, c'est bon. Une petite pièce de la mort encore. Faut que j'en prenne la dose des pièces de la mort, parce que sinon ça... Ça peut me porter préjudice. Ok, tranquille. J'ai quand même envie de choper ce cœur de merde, mais je m'étais bien baissé, enfin, je comprends pas. Bah, ok, y a plus de cœur. Foutez-vous de ma gueule. Ouf. J'ai cru que j'allais me le prendre à la gueule, le truc. Désolé pour mon langage. Un peu... sincère. Y a un truc, là, y a un bonus. Non, pas de bonus. On se barre par là. Putain, je vois rien. Ah, caméra de merde. C'est la fin. C'est pas la fin. Sérieux? Ah si, c'est la fin. Allez, explose. Putain. J'espère, je sais pas si le truc en feu il va me faire chier là. À mon avis, non. Ils sont pas ce genre là, voilà, tranquillou. Sont où les ennemis là? Je me demande. Ah, putain, c'est sûr qu'il y a des ennemis encore. Ok, il y a un lanceur de bombes. Aïe! Ok, il sert à rien. Bitch! Wow! Wow! Alors là, j'ai fait le coup des ténèbres. En fait, c'est... ceci. J'ai fait le coup des ténèbres. C'était énorme. J'ai cru que j'allais tomber. Mais j'ai eu de la chance. Ok.
Un petit truc d'armure. Ouais, ça. Oh, c'est nickel. Ah. Alors, je vais couper l'enregistrement. 2 secondes. Juste l'enregistrement vidéo. Parce que là, il a pas bugué. Alors, vous entendez toujours ma voix. Je vais relancer l'enregistrement vidéo. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire un petit top. On est jamais trop prévoyant. Top. Non. 2, 3, 4. Voilà. Parce que juste, j'ai peur. Voilà, il y a une cinématique. Et j'ai peur que ça fasse tout planter. Alors là, je suis sûr que ma vidéo elle a pas planté. Ah, oh, je suis trop content. C'est un truc de ouf, ça se passe super bien. On était à combien de minutes? Je sais plus. Je sais plus. Merde. Il me semblait qu'on était quand même à la 20aine de minutes. Ouais. Donc, sur ce, les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai super bien apprécié la tournée. Enfin, j'ai super. J'ai vraiment bien aimé la tournée. Surtout, ça s'est bien passé, hein, logique. Donc, sur ce, je vous dis tchuss pour la prochaine vidéo. Ça sera le boss. Alors, si ça bug, ne vous inquiétez pas. Je retenterai. Enfin, je ferai des petits trucs pour essayer d'avoir la vidéo. Parce que là, à mon avis, il y aura une cinématique juste après le boss. Donc, c'est un peu galère. Hein, voilà. Donc, sur ce, les amis, je vous dis tchuss pour les prochaines vidéos. Demain ou après-demain, ça dépend si j'ai la flemme ou pas de la tournée. En plus, je vous dis ça, mais. Cette série, cette vidéo arrivera pendant que je passerai mon BEP, alors je sais pas si ça va poser problème, mais je pense pas. Donc sur ce, je vous dis tchuss les amis. Ah mais en plus, je peux savoir le temps de vidéo. Ouais, 21 minutes, ok. Donc je vous dis tchuss pour les prochaines vidéos. Allez, bam, pour le boss.